C'est bon, tu peux déballer. Oui, je sais, vous êtes tous en transe là, ça va, j'arrive. Ok, guys. Oh, il est trop mignon son colis, merci beaucoup. Eh, franchement, sur l'emballage, meuf, tu t'es bien démerdée, hein. T'as suivi un peu mes tutos, hein. Emballage bien fait, bravo. Alors, le scotch utilisé est un peu trop petit, je pense que c'est pour ça que t'as galéré à faire ton emballage, en vrai. Genre, je juge vos emballages. C'est même pas genre, elle est contente pour le colis, elle est en train de juger l'emballage, quoi. Alors le pliage est assez bien fait, malheureusement le scotch que tu as utilisé était bien trop fin, ce qui a dû rendre ton emballage plus difficile lors de la conception. Au niveau du deuxième angle, alors oui, au niveau de l'emballage ici, tu aurais pu effectivement prendre peut-être un autre scotch plus en accord avec ton thème Noël. De ce côté-ci, au niveau du pliage, on n'est pas trop mal. On voit que ça a bien suivi mes tutos pliage de colis. On voit que la dimension de la feuille a été bien respectée. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop de papier. Encore pareil, hein, le scotch trop fin. Je pense que ça a dû te causer des problèmes lors de l'emballage. Ça ne devait pas être si simple que ça. Mais on voit que le geste est quand même fait. Voilà, alors au niveau de l'emballage, on est plutôt bien. Elle a bien pensé à couper, coller son étiquette d'envoi directement avec le scotch et le point de fermeture du colis. Ce qui est assez important en origami de colis, parce que bah, ça donne tout, tu vois. Ah, elle nous a fait un petit raccord ici. Ah, franchement, là, c'est pas mal. Le scotch toujours trop fin, malheureusement. Une note sur 10 pour cet emballage. Moi, je dirais, on est quand même facilement... sur un 7,5, je dirais même un 8. Peut-être un 8,5, peut-être un 8,35. Quoique, quand je vois que les dimensions ont bien été respectées, non, ça mérite un 8,5. Il est vraiment bien emballé. Ok, maintenant, on passe au unboxing. Après, je juge vos emballages de colis. Je vois qu'elle a blindé le carton. J'espère que c'est du scotch sans plastique, recyclé et recyclable. Open, guys. Oh, trop mims. Oh. Oh, mais t'as envoyé trop de trucs, meuf. Joyeuse fête, cake de Noël orange et épice, parfait pour boire avec mon infusion orangette. Tu vas t'y ouvrir tous les colis. Eh, hey, tranquille Sophie, wesh. C'est mon unboxing des cadeaux de Noël, je fais ce que je veux. Merci beaucoup pour le cake orange et épice, j'ai très envie de le manger maintenant. Oh, des orangettes. Putain, des orangettes. Oh, merci beaucoup pour les orangettes, ça va aller pile poil aussi avec mon thé, c'est trop trop bien. Ah, oh, ça sent trop bon. Et des petits chocolats assortiment de fruits de mer. Trop bien, j'adore les chocolats comme ça, assortiment de fruits de mer avec du praliné et tout à l'intérieur. Fourrage au praliné en plus, c'est ce que j'aime. Le cake de Noël là, guys. Allez, normalement je suis pas censé manger à cette heure là, mais nique. Cake de Noël, orange, épice. Je me vois la lettre en même temps. Ah, trop mignon la petite lettre rouge. Oh, elle est trop belle la carte. Regardez. C'est un truc à la mode là, comme ils font tous en ce moment sur TikTok pendant des heures. Diamond Painting, merci guys. Romain, reine père, roi père. Je vous remercie pour vos lives qui me donnent le sourire. Votre joie de vivre est communicative. Et cela de nos jours fait beaucoup de bien. Vous m'avez également réconcilié avec le thé, avec vos saveurs fruitées et originales. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 6 juin, quelques gourmandises cordialement, Séverine. Oh, merci Séverine, c'est trop mims. Trop mignon. Eh ben écoute Séverine, merci beaucoup. Là, le cake de Noël orange épice passe trop bien, ma soeur. Je mange un cake orange épice. Ouais, elle est gâtée de cadeaux. Ah, oh, trop bien. On a la carte de Gaël ici. Et la carte du coup de Séverine maintenant. Merci beaucoup Séverine, trop gentil, trop mims. On va manger tout ça.